Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon. Comme vous avez pu le voir, chers amis, dans le premier épisode, on a chié un petit peu et on a même directement pété un vaisseau. Du coup, moi je me dis, il nous faut quelque chose en plus. Les ingénieurs nous donnent des choses en plus sur nos armes, c'est donc une nécessité d'avoir de meilleurs équipements améliorés par les ingénieurs. En l'occurrence, The Dweller. Qui est spécialisé dans les répartiteurs de puissance et les lasers à impulsion, serait peut-être une bonne idée pour améliorer nos lasers personnels. Et donc, je me dis, chers amis, que nous ferions bien d'aller faire un petit peu de marché noir. Et pour ça, quoi de mieux que de fouiller un certain nombre, on va dire, signaux inconnus, là, vous savez, pour espérer tomber sur des épaves et récupérer de la marchandise illégale qu'on irait donc revendre ensuite. Ça me semble intéressant. Par conséquent, je pense qu'on va, entre guillemets, le faire. C'est une nécessité pour moi d'avoir de meilleurs armements. En l'occurrence, j'ai vu plusieurs types d'armements différents, que ce soit des lasers qui chauffent, donc ça c'est des lasers à rayon long je crois, hein. Non, c'est des lasers à impulsion aussi, ou des lasers qui traversent le bouclier pour commencer à attaquer la coque. Alors, pour moi, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Et je pense qu'on va devoir au moins débloquer les plans pour savoir ce qu'on doit simplement récolter pour faire un peu plus de dégâts, entre guillemets, avec ses, enfin, pour faire un peu plus de farm et espérer trouver d'autres choses. Hop. Où est-elle? Elle est derrière nous, apparemment. Elle est vraiment pas très loin, cela dit. Hein. Hop, on commence par celle-ci, on va la scanner un coup. Hop, voilà. Dispersion de convoi détectée, menace 1, menace 0. Alors l'avantage, c'est que s'il y a une dispersion de convoi et qu'on les laisse détruire le convoi, on peut récupérer la marchandise, je pense. Je pense. Hop, on va bien voir. On va regarder, ils volent en formation, vous avez remarqué. Bubba Web. Salut l'ami. Ah, il y a une formation de deux. Et en face, on a deux autres vaisseaux. Alors ça, c'est intriguant. Ça, c'est intriguant. C'est deux formations de deux. Là, je me pose des questions. Bonjour monsieur en cobra. Pas de bouclier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors à quoi correspondent les dispersions de vaisseaux aussi? Une cible perdue. Bon bah j'imagine qu'on aura rien. On rebouge. Je vais quand même regarder. Hop. Non, j'ai pas d'infos. Pas d'infos. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Hein. On va continuer à chercher, on va bien finir par trouver quelque chose. Hein. Hop. On finira bien par tomber sur autre chose. Ne vous inquiétez pas. Simplement parce que je ne veux pas m'embêter à acheter des choses à droite à gauche, je préférerais les récupérer, ça donnerait déjà un peu plus d'action. C'est presque dommage parfois que je fasse pas un peu plus de d'illégalité, si je puis dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas mon genre de jeu, à vrai dire. Moi, je suis un paladin. Hein. C'est la lumière, c'est la justice, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est surtout pas le vol, si je puis dire. Si je puis dire. Ah, nouvelle cible. Non, je crois que ça me met de toute façon.
peut-être s'il y a une nouvelle. Une nouvelle truc de données. Bon. Est-ce que tu aimes même la donner, s'il te plaît, ou pas du tout? Ah, faudrait que je me déplace, déjà, ce serait pas mal. Alors. Elle va bien finir par tomber un jour. Elle va bien finir par tomber un jour. Alors, une cible perdue, deux nouvelles cibles, une cible perdue. Toujours pas. Sinon, on va sauter ailleurs. Hein. Sinon, on va sauter ailleurs. L'avantage d'être dans une voie commerciale, c'est que normalement, on devrait pouvoir tomber sur des gens qui vont tout simplement attaquer ce genre de voie. Ah. Qu'est-ce qu'on a là? Communication de cérémonie détectée. Off. Menace zéro. Bon, bah écoute. Ça m'intéresse pas, alors. Ah oui, c'est vrai, du coup, faut que je rescanne tout ce que j'ai pas scanné. Ah. Ah, ça me fait chier de voir qu'on a perdu des millions comme ça. Émission de mauvaise qualité. Alors, ça peut être un vaisseau détruit. Ça peut être un vaisseau détruit, et si potentiellement il y avait de la soude dedans, ça peut être intéressant pour nous. Ça peut être intéressant pour nous. Là, honnêtement, je serre les fesses et je croise les doigts. Il y a un potentiel de découverte de complétion de quête, on va dire. Hop. Alors. D'ici là que j'arrive, il y aura peut-être une menace 30. Hein. Pff, 30. C'est 10 fédérales corvettes qui vous attendent juste devant le spawn, tout en train de viser manuellement. Dès que vous apparaissez, boum. Plus personne. Alors. On fait des choses. Illégal. Ah bah voilà. Ah, j'ai plus de collecteur. J'ai plus de collecteur, seriously? Ah bah oui, parce qu'il faisait partie de ma soute. Oh la gueule. Oh la dèche. Oh. Ça c'était pas prévu, chers amis. Mais alors pas du tout. Et je l'ai raté. Merci le jeu. Merci le jeu. Putain, récupère-le. Oh là là. Récupérer quelque chose avec un python, c'est là vraiment l'horreur. Mais merde. Cargaison récupérée, allez comprendre. Ça nous en fait un. Il y a bien d'autres objets illégaux. Illégal en cette juridiction. Parfait. On peut encore avancer. En douceur. En douceur. Allez.
Oui, on l'a eu. Oh, deux. Il nous en faut encore deux. Hein. Il nous en faut encore deux. Quelle horreur. Quelle horreur. Y a rien de pire. Oh, mais non. Il entre en contact avec la carlingue. C'est génial. Chargé. D'accord, ok, bon. Et le plus proche, le prochain le plus proche. Est-ce qu'il est illégal? Oui. Mais non, pas flight assist, pas de problème. Oh là là. Quelle horreur. Quelle horreur. Ah bah comme ça. Je l'ai défoncé. Hop. Commun. Oh non, mais dis pas qu'il reste plus que des matériaux communs. Ah, je pète une durée si c'est le cas. Marchandise illégale, c'est bon. Alors. Ok, on l'a eu. Wouh. Alors juste une chose que j'espère, chers amis, maintenant. Oui, je sais, j'ai bien compris. Hop. C'est que ça fasse pas une seule vente, vous voyez ce que je veux dire? Si ça comptabilise une seule vente, en fait, ce serait vraiment l'horreur. Ce serait vraiment l'horreur. Manquerait plus que ça. Oh merde. Merde, merde, merde. Si ça comptabilise une seule vente, c'est l'horreur. Et s'il me scanne avant. Putain. Oh, non, faut pas y penser. Faut pas y penser, chers amis. N'y pensons pas. Ce serait une véritable catastrophe. Mais ils vont me scanner avant. Il va y avoir du monde et ils vont me scanner, vous allez voir. Je le vois gros comme un camion. Et Dieu sait qu'un camion, ça peut être gros parfois. Enfin, c'est comme ça. Allez, on y va. On joue le jeu. Au pire, on se barre. Hein. J'espère que la fédération va pas mal le prendre. Donc, j'espère qu'il est pas à Chai. Oh, s'il est à Chai, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Il nous a pas encore dévoilé sa position, donc on pourra pas dire. Ok. Oui, je sais, j'ai une cargaison illicite, vous n'êtes pas censé le savoir. Merci de ne pas faire vos péripatéticiennes, merci. Vous voyez trois, vous, là-bas, chers amis, ou vous voyez autre chose? Ah putain, regardez ce qui arrive autour. Regardez-nous ce qui arrive autour. Allez, allez Marcus, dépêche-toi. Dépêche-toi, faut pas que tu te fasses scanner. Hop. Crac. C'est bon. Service de spatioport. Faites qu'ils ont un marché noir. C'est bon. Hop. Vas-y, récupère-moi ça. Ça en fait une de plus. Récupère-moi ça. Hop, sinon c'est rentable le marché noir. Vache. Alors. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Sur au moins 5 marchés noirs. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait que j'aille dans un autre marché noir? Non. Non, c'est pas ça. On va sauter. On va sauter. Et j'espère que c'est pas ça. Allez, hop. Dis-moi pas que c'est pas ça.
Dis-moi pas que c'est pas ça. Non, 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 non. Manquerait plus que ça. Non, non, non. Soumeya. Hop, voilà, parce que c'est au pif. On saute et normalement ça devrait s'actualiser lors du saut. Ça devrait s'actualiser lors du saut. Hop. Mais non, il est long mon chargement. Merci. Hop. Et on aurait dû faire du ravitaillement, on en a pas fait. Oh là 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 là, ça va pas. Ça va pas. Bon, on fait le saut, on va bien voir. Bon. Crac. Alors. Ok. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Ça a augmenté, on est d'accord. La barre a clairement augmenté, on est à 2 là. En fait, on est à... d'accord. Donc en fait, j'aurais dû faire plus con que ça encore. Ok. Ok, ok. Je saurais me souvenir que ce jeu s'est foutu de ma gueule. Je sais plus s'il y a de la... On va aller voir. On va aller voir avant de se lancer dans cette aventure bidon, pardon. Hop. Ici. Qu'est-ce que tu as? Ravitaillement marchandise. Parfait. Ravitaillement marchandise. Tu as une... c'est quoi? Dis-moi ce que c'est avant. Tir détecté. C'est pas bon. Menace 4. Non, j'oublie. Soumeya 1. Non, non, mais pas la peine d'essayer, hein, ce sera non. On va essayer de se choper des drones. Ça va aller, on va gagner un temps fou à prendre des drones. Et on va reprendre, on va refaire la même opération plusieurs fois, jusqu'à nous déplacer dans plusieurs marchés noirs, et ainsi de suite. Mais si j'avais su que ça allait être aussi stupide que ça, j'aurais pas tout vendu d'un coup. Et j'aurais mieux lu. Mais c'est ma faute. My bad, my bad. Qu'est-ce qu'on a là? Détecté, menace, 4, non. Oula. Alors, je suis censé ralentir à fond, hein, ça se voit pas. Eh ben, ça aurait pu, hein, ça a duré une demi-seconde, même pas. Quelques frames. On va parler en frames plus qu'en secondes, je pense. Ok, où est-ce que c'est? C'est ici. Parfait. On bourre un peu parce que là on va pas vite du tout. On peut se permettre. Crac, voilà. On fait le plein. J'ai pas vu s'il y avait un black market, mais j'imagine que c'est pas affiché dans les infos générales. Ah oui, aussi nous avons un marché noir sur lequel nous vendons des esclaves, des marchandises illégales, genre des boîtes noires, etc. Why not? Why not? Why not? Ils en font ce qu'ils veulent de leur station. On est des voleurs. Ce serait tellement épique. Épique, épique et collégramme. Par contre, on n'y voit rien. Hop, voilà. Oula. On va hop aussi au passage. Crac. Landing gear deployed. Ah, ça joue à rien à chaque fois. Crac. Service de spatioport. Faire le plein, c'est pas grave. Oula. Alors l'interface semble avoir bugué. Ok. La station est en train de me tuer. C'est génial. Je coupe mes phares, ils n'ont peut-être pas aimé que je mette mes phares. Ok, c'est cool. Bon, on relance, hein. J'aime bien le gros zoom sur l'interface. Oui, j'ai bugué, et alors? Ça faisait un peu ça. Alors, est-ce qu'il me considère comme ayant
atterri. Parce que du coup, je suis pas rentré dans la station, ça fait chier. Il risque de me faire... Ah non, c'est bon, il me l'a mis. D'accord, ok, bon bah écoute, why not. C'est bon. Un ravitaillement, alors. On est plein. Je vais juste prendre une vingtaine de drones. Même si nous savons tous, chers amis, que j'en utiliserai jamais 20 d'un seul coup. Ok. Réparation, je voulais voir aussi. Voilà, un petit peu d'intégrité supplémentaire, ça nous ferait pas de mal. Et on va repartir, on redécolle et on va faire le farm comme on a pu le faire. Donc dans les précédents, j'ai pas regardé s'il y avait un marché noir. Normalement, s'il y a un marché, il y a un marché noir, ça me semble logique. Maintenant, à voir. J'ai été stupide de pas regarder. Ok. Je voulais un peu mettre pousser la charrue avant les bœufs, c'est ça, hein? Mettre la charrue avant les bœufs. Je crois que c'est ça l'expression. Ok. On retente, on refait la même chose et puis on va voir ce qu'on va trouver. Hein. Trajectoire du vaisseau. What? Oula, ça en chie un petit peu. Le jeu chie un peu dans la colle. Là, je reconnais que là, pour l'instant, j'ai plus les boules qu'autre chose. On va aller vers Sumeya 2, on va bien voir. Hein. 32 SL, c'est peut-être pas assez loin. Hein. AB. Crac. Voilà. Et là-dessus, on devrait tomber sur des choses sympas. Dans les cibles, tout en haut. Restez le plus haut, hein, c'est là qu'apparaîtront toutes les choses que vous recherchez. Voilà, par exemple ici. Alors qu'est-ce que c'est? Balise de commerce, d'accord, donc balise de commerce, ils recherchent en doute. Oh là! Ah! Alors, ça peut être très 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 traître. Ça peut être très 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 traître. Parce qu'en fait, ça peut être du faux commerce. Type 9. Et vous voyez qu'il ne me parle pas et il est sans faction. Bonjour. Il achète du thé. C'est un anglais. Bonjour. Comment ça se passe dans ce truc là? Non, c'est pas là. Bon bah écoute, on a un peu plus d'action de ta part. Il y avait menace 1. Je la sens pas la menace. Mais j'imagine que ça indique la potentialité d'une fausse vente en fait. C'est ça le principe, je pense. Écoutez, on va se diriger dans un coin et puis on va bien voir. De SL, c'est vraiment pas loin. Ok, on y va. Déplaçons-nous. On tombera bien sur quelque chose à un moment ou à un autre. Hein. C'est fait pour. Hein. Voilà. Ah, ça c'est moins bien. Menace 4, non. On ne tentera pas notre chance. Merci d'avoir demandé. Ah bah là, il y a loin. Le problème c'est que là on va aller très très vite d'un seul coup et c'est pas bon. Parce que sinon on va mettre 3 plombes à revenir. Source finale non identifiée, bah écoute, dis-moi tout. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a devant toi. Voilà, c'est bon. Hop, donc vas-y, tir détecté, menace 2. 2 c'est peut-être beaucoup. Tout dépend s'il y a en fait des alliés avec celui qui se fait attaquer. S'il y en a pas, il y a problème. Donc on va juste regarder et puis on s'engagera pas. Si on a le temps. Hein. C'est vraiment si on a le temps. On fait 3. Oula.
pas le temps. Raté. Oh bah dis donc. Mais merde. C'est pas un Cobra M4-3 qui va me la faire, hein, je suis désolé. Hein. Hop, voilà. Hop. Comment ça cette fois-ci? Le mec c'est un clone. Allez. Hop les. C'est bon. Est-ce qu'il avait de la marchandise illégale? Ça serait tellement bien. Ah il avait rien. Rien, par contre il avait quand même ça. Et ça je prends. Ça je prends. Ok. On va en avoir besoin dans tous les cas, donc mieux vaut l'avoir. Hop, juste. Ah, vous voyez, on a revu des tirs. On revoit des tirs. J'ai boosté peut-être un petit peu au mauvais moment. Hop. J'ai pas le deuxième. Boum! Voilà, ça devrait résoudre le problème. Ils sont nombreux encore? Ah non, c'est bon. Ils avaient rien d'illégal. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, on file. Pas de raison de rester. Ils n'avaient rien d'illégal. En quête d'illégalité, ce sera le nom de l'épisode. Là, j'ai trouvé. Hop, mince, j'ai écrit sur mon tableau, ce qui fait que je vais pas pouvoir effacer ça à cet endroit-là. Dommage. Sur les cartes, vous savez, là où les trucs ça va pas. Du coup, je vais avoir un joli petit bout de trait. Bon, c'est pas grave. Oui, je chipote, mais je chipote toujours sur ces sujets-là parce qu'en fait, c'est. Ces trucs qui peuvent durer très longtemps dans le temps, ces tableaux blancs, et c'est débile à chaque fois de les. On les bousille si facilement. Enfin bon. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans le coin? On en fasse une ou deux dernières. Enquête d'illégalité. Ça me ressemble tellement pas ce genre d'épisode. Il y en a qui vont être choqués, je suis sûr. Ah la gueule. Rice Beacon. La balise du riz, c'est un nouveau magasin. Ils n'y vendent que du riz. Et avec du riz, il y aura aussi du riz si vous le voulez. Ah, attendez, il y a un truc qui est pas. Non, il devrait être en orbite, mais je vois pas l'orbite de là, c'est bizarre. Bon, il y a un petit bout de route avant d'y arriver, cela dit. Alors, allons-nous tomber sur un autre signal inconnu? Rien que ce soit le cas. Allez. J'aurai quand même pas une étoile à mon nom, on va dire. Bien que, ça arrivera peut-être un jour. Hein. Elle sera peut-être découverte. Non, si jamais on prend la SP Explorer à bout d'un moment, je ferai sûrement ce genre de recherche. J'essaierai de laisser ma petite pierre à l'édifice. Laisser ma marque dans l'univers.
Venez fêter cette merveilleuse journée avec nous. On va éviter. Moi, ce que... Ah, attendez, j'en ai vu une. Hop, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? On coupe les moteurs. Je peux pas plus les couper, les moteurs. Si ça ralentit pas assez vite pour toi, c'est pas bon. Voilà, hop, parfait. Dispersion de convoi détectée, menace 3. Ah, ah, ah. 3, ça fait beaucoup. Soyons honnêtes, 3, ça fait beaucoup. On va quand même aller voir. Parce que je suis un fifou. Mais 3, ça fait énormément beaucoup. À vrai dire, ça ne me plaît pas. Hop, on y est presque. Ah, on peut déjà se... Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Oula. Oulala. Excuse-moi, monsieur le Cobra. Vaisseau de la flotte fédérale. Ah, c'est des copains. C'est supposément des copains. Excuse-moi, l'ami. Je voulais pas te déranger. Génial, des copains. Il y a des cobras. Avec eux. Vaisseau de la flotte fédérale, d'accord. Et donc la menace, elle est pour ceux qui sont... ceux qui souhaitent attaquer le truc, en fait, ça se trouve. Résume. Je regarde un peu ce qu'il y a dans le coin, hein, mais... Bon, apparemment, il n'y a rien. Hein. Apparemment, il n'y a rien. Du coup, on bourre. Tu m'étonnes. Masse perturbatrice, tu m'étonnes. Voilà, on va être mieux comme ça. Ah bah non, on se bouffe quand même la masse. Enfin bon. Ça a bien accéléré ensuite. Alors. Alors. On peut avoir une dernière chose au moins, ou je devrais rechercher dans un prochain épisode à nouveau. Ce serait embêtant. Ce serait embêtant. Redirigeons-nous vers la balise. Quelque chose? Non, rien. J'arrive pas à faire comme il faut le Murloc. Je suis désolé. Y a pas un petit quelque chose là? Allez, chez moi un signal inconnu, puis on en parle plus. Allez, Space Scout. Rechercher, tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Alors. Rien du tout, hein. C'est la dèche la plus totale, on est littéralement à sec. Ah! Non, c'était dans ma tête. C'était dans ma tête, chers amis, ne vous inquiétez pas. C'était tout bonnement dans ma tête. Allez! C'est si compliqué que ça que de m'en prendre une. Balise de navigation. Il n'y en aura pas. Hein. Allez, je compte jusqu'à 30 et après je mettrai fin à l'épisode. 1, 2, oui je menace le jeu. 4, 5, 6, 7, oui j'ai compté. Ah bah voilà. Et oui, c'est parce que j'ai compté la seconde que je suis passé de 2 à 4. Hein, la seconde autant que je parle. Ok, c'est donc la dernière émission encodée. Ah ah ah. Ah, c'est nouveau ça, ça me dit rien, c'est rigolo. C'est la dernière qu'on fait, et après on verra.
Émission encodée détectée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Distance 10-2, bah écoutez, ça va être rapide, hein, de toute façon. C'est plutôt une bonne chose. C'est pas le mariage. C'est quand même pas le mariage, on est d'accord. Ça peut pas être le mariage. Émission. Oula, non, c'est pas le mariage. Oh la gueule, y a que deux trucs. Bon, c'est rare. Qui dit rare dit on s'y intéresse. Hop. Et nous, nous allons nous laisser là, les amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. N'a pas trop lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Un petit test quand même. Hop. On va voir l'ingénieur en question. On est bien passé à 2. C'est bien ce qui... On est d'accord. 2 sur 5. 2 sur 5. C'est inférieur à la moitié. Pourquoi la barre est aussi remplie? La barre est à 3 sur 5, c'est complètement bugué. La barre est à 3 sur 5, mais nous sommes actuellement à 2 sur 5. Alors allez comprendre, allez comprendre. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens, dans des aventures complètement buggées d'Elite Dangerous. Hop. Et hop. Ah bah non, c'est vrai. Crac. Crac. Voilà. Salut.